Ok, moi je me reçois. Coucou. Ouais, tu m'entends? Ouh la vache. Tu m'entends, c'est bon? Ah oui, bah beaucoup trop. Attends, il parle. Oui, c'est bon. C'est bon, j'entends plus rien. Ok, voilà. Tu parles toi? Et oui. Tu règles avec celui-là, toi. Ok. Ok, bon, moi ça va, je t'entends bien. Alors, touchscreen continue. Alors après, on va mettre ça en route déjà. Donc là, on a tout dans le vert, c'est dans le vert. T'as mis le... Oui, j'ai mis, c'est bon, là. Ok, bah, faut, voilà. Continue. Alors, attends. Ça, c'est bon, du coup, pression, température du lion est dans le vert. Enfin, pression, en tout cas, la température, ça va venir. Du coup, ça, c'est fait. Après la mise en route, du coup, la checklist, la pompe, elle passe effectivement sur off, la pression d'essence, ça, c'est bon. Et on a un voyant éteint. Pression d'essence, avec la page verte, alternateur, elle est sur on. C'est bon, charge voyant éteint, c'est bon. Avionique, elle est sur on, c'est fait. Transpondeur sur ground. Indicateur de pression dans la plage verte, il est foutu, indicateur il est là, ok, horizon stable, conservateur de cap 0,60, ouais, même 0,55-60 quoi, ouais, c'est ouais, parallaxe, 0,60, altimètre réglé au QNH 518.27, vers verrouillé et heure de départ au bloc, on avait dit 7h44. Ok, 7h44, c'est noté l'heure de départ. Message radio et puis on y va. Est-ce que quelqu'un va nous entendre? Je sais pas. Façon de Fox Golf Alpha Eco Juliette, bonjour. Façon de Fox Eco Juliette, un DR400, deux personnes d'abord au parking Vol VFR, destination Strasbourg. On roule au point d'attente piste 07. Allez, c'est parti. Ok, les freins fonctionnent. Ok, les câbles diminuent deux fois. Ensuite, indicateur à gauche et billet à droite. Ok, ensuite. Les câbles augmentent deux fois, indicateur droite, billet gauche, c'est bon. Les oiseaux, c'est pas grave? Non. Alors, je suis désolé, mais pendant ce vol, je vais pas te parler des masses. Oui, oui. Entre toi. Bah, tu peux. Et enfin, attends. Non, c'est bon. Bon. Juste un truc. Ok, 119.8. On va mettre ça là. Hop, ça c'est bon. Alors après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut qu'on fasse les moteurs. Ensuite, du coup, on va faire l'avant-décollage. Donc, magnéto sur bus. La mixture plein riche, essence ouvert sur le plus plein, c'est bon. T'as mis le chrono 2h14, hein, le minuteur. Pompe électrique passe sur on, les volets. Essayez gauche comme droite au premier cran, c'est bon. Le compensateur position collage 4,5, commande. Commande sont libres et dans le bon sens. La verrière fermée verrouillée, siège verrouillé gauche, verrouillé droite, ceinture attachée gauche, transpondeur. Code 7000, halt, briefing, collage, décollage, piste 07, vitesse de rotation 100 km/h, vitesse de montée 140, problème avant la rotation, on pousse le manche, on tire les gaz, après la rotation, on maintient les 135 km/h, enfin les 150 là-dessus, et on se pose là où on peut, là on va monter du coup à première altitude, FIM, faut qu'on atteigne le FL55, donc on va commencer à 3000 pieds, on active le plan de vol, on monte au niveau 55 à FIM, et après on monte au niveau 75, avec du coup une altitude de transition qui est ici de 3600 pieds. Donc à 3600 pieds on changera le calage. Ok, donc ça c'est bon. Du coup à 3600 pieds on changera le calage en 1013 et on montera ici. Là ça on va laisser sur GPS et premier radial on va mettre alors 112.300, enter, hop, et du coup on va mettre le radial 0,95. Hop, et donc, et le CDI. Ouais, c'est parti. Façon de Fox Eco Juliette, on s'aligne piste 07. Ok, radio, gyro, chrono, le gyro, c'est bon, la radio est... 62, Fox Eco Juliette, on décolle, piste 07. Allez, let's go.
Ok, la pleine puissance elle est affichée. Il n'y a aucune alarme et il y a le badin qui est actif. On y va, on poursuit le décollage. Ok, 100 km/h, on arrive à la rotation. Et c'est la rotation. On prend la vitesse de montée 140. Et ça grimpe tout de suite. Le cap. La checklist après décollage est effectuée. Premier cap du 0.93. Function flight time. Non. Flight time. Ah, c'est bon. Et ensuite, on va éviter ce décollage là. 69 que Juliette, on quitte le circuit à monter vers 3000 pieds QNH et on quitte le circuit donc par le par l'est. A tout à l'heure, à ce soir. Allez, c'est parti. Ça va? Oui. Vous pouvez écouter Ryan Tripap, maintenant il fait 306, projet 2 INMOC. L'information, bravo. Ryan Tripap, Beauvais, good morning. Your number 1, Victor Angeles, runway 30. Some ride by 5 degrees and descend 2000 feet QNH 1028. Clear dynamic approach on runway 30. And at 2000 feet, turning right by 5 degrees on QNH 1028. Ryan Tripap. Mauvaise information de Fox Golf Alpha Echo Juliette, bonjour. Fox Echo Juliette, Beauvais, bonjour. Fox Echo Juliette, un DR400, deux personnes à bord, départ 60, destination Strasbourg, un VFR avec plan de vol. Pour activation du plan de vol, décollage à NTU 055. Alors, Fox Echo Juliette identifié radar, transpondeur 3740, transpondeur et QNH 1028. Transpondeur soit 3740 QNH 1028 et vous confirmez l'activation du plan de vol. Et donc j'ai noté 5h51 au départ de Soissons et je vous active ça, je vous tiens au courant. 5h51, c'est correct. Merci beaucoup pour Eco Juliette. Eco Juliette, confirmez juste type d'appareil et altitude. Fox Eco Juliette, c'est un DR400-180 et là on vient d'atteindre les 3000 pieds au QNH 1028. 3000 pieds, vous confirmez? Actuellement oui, mais là on va monter au niveau 75 dès que possible. Ok Eco Juliette, donc je note 5000 et rappelez en sortie de la CV. On rappelle en sortie de la CV Eco Juliette. Ah, on est à 3500 même quand on est là. Et Fox Eco Juliette, j'ai bien activé le plan de vol, hein. Rappelez en sortie de zone. Fox Eco Juliette, plan de vol activé, merci beaucoup, on rappelle en sortie de zone. Bon c'est bon, le plan de vol il est activé, ça veut dire que tous les organismes sur le trajet, ils sont au courant de l'heure à laquelle on passe. En gros, j'ai rentré le temps de vol total. Et lui, il a mon heure de décollage, ce que j'ai donné au début. Et du coup, là, bah, il va... Et il a transmis à tout le monde, ok, lui, il arrive à telle heure. Donc là, on est bien. Permission de localiser Ryan Tripapa, 9 miles out. Bon air, Tripapa, copy, continue the approach, vehicle on the runway for inspection. I'll call you back shortly. Copy that, continue the approach, Ryan Tripapa. Eco Juliette, nous montons au niveau 055. Eco Juliette, la montée approuvée. C'est approuvé, toi, Eco Juliette. Donc là, tu vois, on vient de changer. En gros, l'altitude de transition, on vient de la passer. Et on vient de mettre 1013. Donc c'est le calage altimétrique du niveau de vol. Et en gros, ça veut dire que là, on doit monter à 5500 pieds à ce calage. Et après, une fois qu'on sera au niveau du VOR, on va pouvoir monter à 7500 pieds à ce calage. On sera au niveau 7500. Ça va faire trop peur.
Bon, on est pas, ça va pas être beaucoup plus haut que ça. Hein. Oui, j'ai peur. Ah, canard unité, visuel sur l'égagement, merci, à plus tard. Plus tard, canard. Bon air, 3, papa, wind, 3, 4, 0 degrees, 8 knots, clear to land, runway 3-0. Clear to land, runway 3-0, entry, papa. Donc sur cette manège, j'ai peut-être dire bonjour aux abonnés quand même. Bonjour à tous, bienvenue du coup sur cette manège. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo. Bonjour. On est à deux cette fois-ci, donc à bord de Fox Echo Juliette au départ de Soissons, cette fois-ci non pas de Lasbourne. Le truc c'est que bah là il est assez tôt le matin, il est un truc comme un peu moins de 8h. Il est 7h58. On a décollé, donc on est un VFR avec plan de vol à destination de Strasbourg. Voilà, une petite navigation aujourd'hui assez sympathique. Et donc on y va, là on est parti, on a activé le plan de vol. Le SIV nous a activé le plan de vol. Là on est en montée jusqu'au niveau 55. Et on a passé l'altitude de transition, là on monte gentiment et le niveau de croisière sera le 75. Donc voilà. Et donc là on poursuit la montée, tout va bien. En termes de conditions de vol aujourd'hui, tout va à peu près bien, c'est qu'il y a aveugle de partout, là-bas il y a le soleil, donc c'est le principal. Et voilà, tout va pour le mieux, donc là on continue le vol et on va poursuivre comme ça jusque Strasbourg. Hein. Donc voilà, tout va pour le mieux, et là le prochain point qu'on a c'est Romeo Echo Mike, et la prochaine fréquence à contacter ce sera après Vouziers, je crois, ouais, ce sera après Vouziers. Il faudra que l'on appelle Saint-Dizier approche. Fox Echo Juliette, vous êtes en sortie de SIV dans 2 minutes, vous pouvez quitter la fréquence. 7000 au transpondeur et Paris Info sur 125 décimal 7, au revoir. C'était pour Juliette Deloup. Négatif, Echo Juliette. 7000 au transpondeur Paris Info disponible sur 125 décimal 7, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt. Control, bonjour, with your 9R Kilo Kilo Bravo information on board, reaching flight level 70 inbound Bravo. On arrive dans combien de temps? 1 heure? Oh, même pas, ouais. Oh, ça va, ça va être hyper tôt là-bas. Bonheur, with your 9 Kilo Kilo Bové, good morning, your number 2, featuring LS runway 30, turn left heading 255 and descend 2000 feet QNH 1028. Ask number 2, left heading 255, descend 2000, CNH 1028, wizard 9R, kilo kilo. On va écouter la fréquence de Prunet, et là. On va mettre ça en stand-by. On va arriver à Reims là-bas. Là où il y a le soleil, c'est Reims en théorie. D'accord. Là tu me regardes, on va arriver au niveau 55, donc on est déjà relativement haut par rapport, enfin relativement haut. Par rapport à d'habitude, si. T'as vu, c'est pas mal, hein. Et donc la première branche, il m'avait donné un chrono de 13 minutes 45, majoré à 15 minutes à cause des montées. Hop, là on arrive, on va le laisser accélérer. Et là on va faire un truc qu'on fait pas d'habitude parce qu'on vole à 3000 pieds, mais on va mixturer l'avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui donner la meilleure puissance possible. Ah ouais? Grâce à ça, le GT. Et ouais, tu vas voir, c'est pas mal. Ça fait rien, hein. De quoi? Ça fait rien, hein. Bon, à part accélérer un peu, non? Ah oui, pfiou. Je suis sensible, hein. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Les voitures, elles sont vraiment rikiki cette fois. Que dit SPFR, ouais, on est bien. En fait, il y a de l'air qui arrive de je sais pas où, mais il y a de l'air qui arrive. Hein. Ah, il y avait la truc ouverte derrière. Ah. Ah, on est bien là. Ouais, parfait, bonne nuit. Là, on est bien. Ok, là, on va pouvoir recaler un peu tout ce qui est cap. Alors là, moi, il met du 0,90. Et lui du 0,85. Donc voilà, on est bien. Ok, alors on va peut-être pas monter non plus trop. Pour maintenir le niveau quand même. Ok, donc là tu vois on arrive à 240 km/h.
va bientôt à 250. Là, on va réduire un peu le régime. À 2600 tours, 2650. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer là-dessus. Et ça va augmenter, tu vois. Là, tu vois, ça augmente. Et il faut atteindre un pic, en fait. Voilà, et là, on a atteint le pic. Là, en gros, il faut remixturer pour atteindre deux graduations. Tu vois, le pic est là. Ouais. Et là, il faut repousser pour atteindre deux graduations en dessous. Alors là, voilà, on est bien, alors. Là, c'est bon, il est mixturé, et donc on peut remettre un peu de gaz. Et voilà, là, on a la meilleure puissance. Ok. Donc, on avait dit le pic était là, et là, on a deux graduations en dessous. Regardez, il en est à combien, le chrono de carburant, s'il te plaît? 1h52. Ok. Là, on arrive à Reims, en gros, on a la base juste en dessous de nous. Et un chrono qui nous met... Ouais, on est bien. En termes de chrono, on est pas mal. Ah, mais oui, il y a le stade et tout. Là, c'est Reims ou pas? Hein? Pas du tout? Ah, oui, c'est juste Reims. Ah, on est déjà arrivé, c'est fou. Là, on est pile sur le premier point, qui est le vent. Alors lui, il met quoi? Et là, du coup, on va pouvoir monter encore plus haut. Oh. Au niveau 55. Tiens, tu vas me tenir ça, s'il te plaît. Ok, là on est à 7500 pieds par rapport au niveau 1013, donc là on est au niveau 75, là c'est le niveau de croisière là. Ok. Ok, là c'est incroyable, là ce qui se passe c'est incroyable. Ok, là on reste bien là. Là j'avoue on commence à être bien. T'as vu, on est bien ouais. Bah ouais. Par contre on est vachement plus haut que d'habitude. Hein. Ah, rajoute pas s'il te plaît. Alors, on va passer avec... Pourquoi ça bouge? Hein? Pourquoi ça bouge? Ça bouge pas. Ça bouge. Et là, cette branche-là, c'était 12h45, majoré à 14. Avec les montées toujours. Ok, donc là on vient d'atteindre le niveau 75. Et donc là on continue toujours la route jusque Strasbourg. Là, on va le faire accélérer gentiment au niveau de 240 km/h. Là t'es arrivé le bout. Hein, hein? T'es arrivé au bout là. De quoi? T'es plus dans la zone verte hein. Comment ça? Elle est 250 là. Ah, rien compris. Ça. Mais non, ça n'a rien à voir, ça c'est les tours. Oui, les tours. Ok, là du coup on est bien. Là, on est très très bien. On va légèrement le pousser un peu pour le descendre. Voilà, j'avoue, ça commence à être stylé, ouais. Non, t'es pas d'accord? Ah si, je suis d'accord. Ok, donc pour l'instant, tout se passe à merveille. Elle fait combien de mètres la piste à Strasbourg que j'en rajoute bien quand on arrive? De quoi? Elle fait combien de mètres la piste à Strasbourg? Bah ouais, je vais pas regarder encore, mais c'est écrit là. 1300 mètres! 2400. Quand tu vas voir la vidéo.
Ok, donc là on vient gentiment d'arriver à l'altitude de croisière, flight level 0.75, on est stabilisé, on fait un petit tour de l'instrument, on a la vitesse, on a le niveau et on a le cap. On a le chrono qui est lancé, on est à peu près sur la route, on est un peu à droite d'après ce que me dit mon GPS. Bon, moi je continue de suivre ce que je suis en train de faire. Mais voilà, pour l'instant tout va à merveille. Ouais, il reste plus que 35 minutes alors qu'on était à 50. Hein? Ouais, il reste plus que 35 minutes alors qu'on était à 50. Je sais pas. Parce qu'on a volé depuis le début, je pense. Non, mais d'un coup. Ok, on est en train de mixurer l'avion là. Ok, parfait. Bah là, l'avion est mixturé. Et là, on peut donc afficher gentiment la vitesse. Ok, bon, on est pas mal. Hein. Voilà, reprendre un peu 5 degrés droite quand même. Ça va ? Prochain cap, ce sera du 119. Donc on fait vite fait un tour des instruments. Donc là, il nous met du 0,85. On va recaler ce truc-là. Alors, 0,85. Voilà. Après, on va tourner à droite au cap 119. Non, t'es pas d'accord ? Tout à fait d'accord, on tourne au cap 119. Unité 9. Unité 9. C'est quoi ? Unité 9. Ouais. Coucou. Coucou. Après on va voir un lac normalement. Allez, on est vertical. On mange un pretzel aujourd'hui hein. Ouais. Oh c'est beau quand même hein. Ouais. Premier voyage en vrai hein, où on va vraiment. Imagine quand on ira en Hongrie genre. Ah non, ça me stresse un peu. Ah, regarde, 12 minutes 45 pour 12 minutes 54, on est bien. Parfait. Quand même. Ok, le prochain 20 minutes 15. Et là on y va. Saint-Dizier approche de Fox Golf Alpha Echo Juliette, bonjour. Ici Saint-Dizier répondeur. Les TMA et la CTR ne sont pas actives. Vous êtes en espace aérien de classe Golf. La Papa 72 est active du sol au niveau de vol 55. Ok, c'est le bon. Le transit est approuvé en dehors de la Papa 72. Non. Series Saint-Dizier Transmitter. The TMA and the CTR are not active. You are in uncontrolled airspace Golf. The prohibited area 72 is active from the ground to flight level 55. Transit is approved except this area. Les Papa 72. La zone. Oui. Parce que... Alors, Papa 72, ça me parle pas trop comme ça. Hein. Non mais moi je sais où elle est, mais... Ouais, elle est pas sur la route en fait. Regarde, on est là. Nous on a du Romeo 45. Du Romeo 3 Bravo, on a du Romeo 208, du Romeo 207. Et de toute façon c'est jusqu'au niveau 55, donc on est bien. Oh, on est tellement bien là, putain, c'est génial. Ça va ? Ah bah oui. Et là en gros on va arriver au lac de Miel. Donc après 15 minutes on est censé contacter la TMA de Nancy. Ouais, quand on est travers Verdun, on contacte la TMA de Nancy sur 127 décimales 250. Peux écrire ? Ouais, bah le prochain tu le feras.
127 décibels 250. Enter. Et du coup après 127 décibels 250, c'est bon. Et après, où est-ce qu'il faut qu'on aille? On va garder ce cap là. En gros, on va laisser le lac de Saint-Mihiel à notre gauche. Donc c'est bien, les TMA sont pas actives à Saint-Mihiel. Non ? De Fox Golf Alpha Echo Juliette, bonjour. Fox Golf Alpha Echo Juliette, Lorraine approche, bonjour, j'écoute. Fox Echo Juliette, Under 400, deux personnes à bord, départ 60, destination Strasbourg, VFR avec plan de vol, stabilisé niveau 75, demandons transit à travers de l'espace pour une directe sur Nancy-Malzéville. Echo Juliette, transpondeur 6270, transit approuvé, niveau 75, et rappelez en quittant les espaces, Lorraine. Transit approuvé, niveau 75, transpondeur 6260, rappellera en sortie d'espace, donc Echo Juliette. Echo Juliette, je confirme le transpondeur 6270. 6270 pour Echo Juliette, excusez-nous. Non, pas de problème, merci. Oh, on est bien là. Non, je vois plus le train, on l'a doublé. Ah ouais. On doit être pile au-dessus. Ah, c'est marrant, ouais, bah oui. Mais c'est marrant parce que sur un truc, c'est écrit TMA Nancy, tu vois. Ouais. Du coup, j'appelle Nancy approche et il me dit c'est Lorraine approche. Ah, ok. Bon, je sais pas du coup, mais. Eh, tu te rends compte, on a un plan de vol et tout là. Non, mais en vrai, c'est génial, je trouve ça merveilleux quand même. Bah oui. Si t'es content, je suis content. On est vraiment. Ah non, on a doublé le train, je le vois derrière. Ah, ça y est, on est plus rapide que lui. Ouais. Allez, qu'est-ce que tu vas faire le train là? Oh, on est bien là, putain. Ah ouais, là, je suis content là. Ça va? Oui. Et Isaline qui vient de me répondre et qui me dit c'est beau. Regarde, on avait mis combien en temps? 20 minutes 15. Si vraiment c'est 20 minutes 15, c'est qu'on a des boss. Il y a le train. Le fameux. Oh, le lac il est beau là. Attends, tu veux pas prendre une photo le lac là à gauche? Bah pour l'instant je vois pas. Attends, là, il est là. Ah, à gauche, je vais mettre. Bref, à gauche, Mao, voilà, regarde. Il est devant moi. À droite. Oui, bah ça va. Oh, le train, on dirait un ver de terre, le ouais. Truc, vraiment. Alors, c'est un petit recalage en cap, donc là, on est au 115, on est bien, en fait. Allez, au 110, ouais, 110. Ok, on est au bon cap. Et après, le prochain cap, ce sera du 121. Ah bah, c'est vraiment le même cap en vrai. Enfin, à 10 degrés près, quoi. Oh, c'est beau avec le soleil, là. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, en miniature de vidéo, faut qu'on prenne la cathédrale. Ouais, j'avoue. Ouais, ouais. Bon, je vois pas tout ce que je prends en photo. Hein. Il n'y a plus de stockage. Oh, on fait un amérissage. Non. Ah. Bon, déjà, t'as pas voulu prendre l'avion jaune. De quoi? Déjà, t'as pas voulu prendre l'avion jaune?
quand t'avais plus vite que le TGV. Ouais, j'avoue. Donc je suis approche Airpol 57, bonjour. Airpol 57, bonjour, c'est Lorraine approche, je vous écoute. Je vais tourner, c'est bon. Lorraine approche, bonjour, Airpol 57, un Cessna 172, deux personnes à bord. En provenance d'Annecy, essayez à destination de Dijon-Longwy. On passe 2500 pieds en montée vers le niveau 105. 105, c'est plus Airpol 57, le transpondeur 6270, transit approuvé vers le niveau 105 et rappelé en sortie d'espace. 6270, montée approuvée au niveau 105, on rappelle en sortie Airpol 57. Ok, c'est bon, on est bien au cap. Arrivé, là. Hein? Non, non, on est pas arrivé encore. Non, parce que 20 minutes 15, t'avais dit. Ah oui. Ah oui, bah attends, c'est vrai, on est arrivé au lac. Oui, bien vu, bien vu. Ah oui, tu parles de cette arrivée-là, moi j'étais... Ah oui, non, arrive non. À... enfin, si on est arrivé maintenant, je vois pas Strasbourg. Ouais, on a mis 20 minutes 30 pour 20 minutes 15. Si ça, c'est pas du calcul précis... Ça pour l'instant? Bah ouais. Ah, le casque qui te tue pas les oreilles du coup. Ah bah, il a l'impression d'avoir un coussin sur les oreilles. Ah, pas par hier. On arrive dans 8 minutes. Dans combien? 8 minutes. Ah 10 moi il met. Enfin moi j'ai calculé 10. Ah. Bah les deux ils sont synchro maintenant. Ah bah après ça c'est un peu vague hein, parce que la... Oui, un coup ça remonte, un coup ça redescend. C'est par rapport à la vitesse sonne. Ouais. Alors on doit être normalement... Ah non, j'ai même pas mis de vent là. Bon, moi okay. J'ai les yeux qui pleurent. Alors, où est-ce qu'on sort de la TMA? Ça va? Oui. Ok, alors après tu reviens là. Une fois qu'on sera vertical, Malzéville. Ouais, dès qu'on sort là, dès qu'on sera à Luneville en fait. À Luneville, faudra qu'on passe avec la TMA qui est de 120.7. Tiens, tu peux l'afficher si tu veux. 07 00 7001. Merci. Si on met un peu à droite. Ouais, on est bien. En vrai, là, on est bien. Tu vois, regarde, Bearing 117, Direct Track 117. Donc, on est juste calé dessus. Avec la déclinaison magnétique, nous, du coup, ça nous fait du 115. Et ouais, c'est ça, c'est cohérent. 119 la route, 115 le track, et lui, nous met 117. Ouais, c'est bon. On est bien. Là, on va arriver à Nancy dans pas longtemps. Et après, c'est Nancy-Malzéville, ouais. Ok. Ça va, chou? Airpol 57, ce serait pour modifier notre niveau, finalement, on préférerait maintenir un niveau 55. Ah, il est 55 approuvé. Il descend. Ah, mais ça fait beaucoup 55-105, là. Ah, ça fait 5000 pieds, quoi. En vrai, 105, c'est pas bien plus haut que nous, hein. C'est, mais 105, ça veut dire que c'est un niveau pair, ça veut dire qu'il va dans la route opposée, il va par là. Il va à Dijon, en fait. Non, il est là, tu vois, Dijon, c'est là en bas, donc à mon avis, il fait un truc genre comme ça. Ouais. Donc nous, on est là au-dessus. Il part de Nancy, il a dit. Il part de Nancy, donc il va pas le croiser. Ah, c'est tellement bien par contre. On est bien là, non? Bon, ça va, ça a pas l'air de se décharger, du coup c'est bon. On est pas trop mal. Quoi? Voilà, il y a la ville de Nancy à droite, je sais pas si t'arrives à la voir, elle est là-bas quelque part. Ah, elle est devant en vrai, c'est le avec gros papier. Avec mes lunettes rayées, bah oui. T'as vu un peu avec les vallonnets, c'est pas ouais. Mal, hein. Les petites montagnes là. La petite brune, enfin pas brune, brume. Ouais, mais ça c'est le matin ça. C'est vrai qu'on est le matin. Ouais. Mais en vrai, il est pas tard, hein. Il est 8h40. Genre, c'est après, vraiment... qu'il est genre vraiment 11h moi. Fox Golf Alpha Echo Juliette de Nancy Auchet. Fox Echo Juliette, j'écoute. Vous êtes maintenant sous contrôle de Nancy Auchet, branché 3602 au transpondeur, s'il vous plaît. 3602 sur Fréco Juliette, c'est reçu. C'est correct.
Oui, parce qu'il y a la zone d'Auchet qui est en dessous. Airpol 57, Nancy Auchet. Airpol 57, on écoute. En fait, c'est... Vous êtes avec Nancy Auchet, branché 3601 au transpondeur, s'il vous plaît. C'est là quelque part. 3601, bonjour à vous, Airpol 57. Bonjour. Regarde, c'est... Attends, c'est où? Attends, pourquoi il dit Nancy Auchet? Ah oui, c'est ça, c'était Rocher, voilà. En fait, c'est parce qu'il y a l'aéroport de... Oui, c'est ça. Nancy Auchet, tu vois, c'est ça, c'est la CTR. Auchet, genre. Et du coup, il nous demande de changer de transpondeur pour lui sur son écran radar. Et donc lui, il nous mettait 10 minutes. Ok, pour l'instant, on est bien. Alors, on va contourner ce petit truc-là. Ah, on est bien, là. Et ouais, bah Nancy est juste en face, là, on est bien. T'as vu la grosse... On approche Fox Golf Golf, Québec Alpha, bonjour. Québec Alpha, Nancy Auchet, bonjour. Ah bonjour, j'ai le Fox Golf Golf Québec Alpha, DR400. Deux personnes à bord pour un vol circulaire Nancy-Nancy avec plusieurs points tournants sur Toul, sur Vaucouleurs, Neufchâteau et ensuite départ Bayon et Lunéville. Regarde, on est là. Ah, si, Fox Golf Golf Québec Alpha, 3603 au transpondeur, le QNH est à 1026, vous désirez un transit à quelle altitude au QNH 1026? 3603, 2500 pieds, nous irait bien pour la 1026. Bien, ça va être approuvé, vous m'appellerez secteur Toul. En transit 2500 pieds, 1026 approuvé, on vous rappelle secteur Toul, Fox Québec Alpha. C'est correct. C'est vrai que quand on y pense, mais l'Est de la France et tout, c'est beau, je trouve. Ouais. Genre, les Vosges et tout, c'est pas mal, je crois. Non? Oui, oui. Ok, là, il y a Nancy, on a les haute... là, on a largement les hauteurs minimales de survol, c'est ça qui est bien. Et là, tu vois, bah, la grosse ville de Nancy qui est à droite. Oh, c'est beau, t'as vu le croisement, là, en bas? Ouais. C'est marrant, mais c'est tout petit, tu sais, t'as l'impression. Mais les voitures, on les voit même pas, c'est incroyable. Ah si, on les voit vitesse, quoi. Mais on les voit, mais je veux dire, c'est vraiment un des points. Ah, c'est génial, ouais. Ouais. Voilà, regarde, le cap, il est calé. Et là, on vient de passer la branche, donc on a mis 9 minutes 19 pour 10 minutes. Ah. On a gagné 45 secondes. J'ai obligé de tenir le log de 9 à jour. Prochaine branche, c'est 13:45 et un cap à 107, donc on va tourner. Il reste plus que deux caps. Hein? Il reste plus que deux caps. Le soleil il tape, hein? Ouais, ouais. Alors on est dans l'est, hein, après. Hein, Et après, alors attends, c'est quoi cette zone là? Ah bah oui, l'univelle c'est là. Et là, tu vois, cette zone là, on tape dedans, c'est le petit coin là. Et en gros, là, on a toutes les zones à passer, genre 4900 pieds, 6500. Tu vois, c'est pour ça un niveau. Regarde, les Vosges là-bas. Ah, c'est les Vosges? Ouais, ouais. Bah ouais? Regarde en face. On voit le tire-fesse. Ouais, ouais. Oh, c'est fou. C'est pas mal, en vrai. Hein. Nord de notre trou. De quoi? Nord de notre trou. Ouais. On peut dire ça, ouais. Oh, les Vosges. De quoi? Toi, t'as les Pyrénées et les Vosges. Ouais, j'avoue. Bientôt les Alpes, hein. Rien. À flight time, tu vois, ça fait 1h02 qu'on est parti. Hein. À Mao. Oui. Airpol 57, Nancy Auchet. Airpol 57, écoute. Eh bien, vous approchez de la sortie de zone, recyclez 7000 au transpondeur, vous pouvez quitter ma fréquence, le QNH est toujours à 1026. Ma fréquence. 1026, 7300. Ah ouais. On quitte la fréquence, monsieur. On est encore dans le SUV de Strasbourg ou on va passer avec Bâle là? Je pense que vous pouvez contacter Strasbourg, au pire ils vont envers Bâle s'il y a besoin. C'est bien pris, merci monsieur. Là c'est Lunéville à droite. À plus tard. Je sais pas si tu vois le terrain, mais il est au nord des installations, tu vois. Ah oui, si, il y a un truc là au bout d'un champ. Une grosse piste là comme ça. Non, mais c'est une piste en dur hein, qui fait comme ça, regarde. Ah c'est pas ça. C'est ça, ouais. Et bah c'est Lunéville. Je vois rien dans mes lunettes, elles sont rayées. De quoi? Je vois rien dans mes lunettes, elles sont rayées. Ah. Fox Québec Alpha sur Toul pour le prochain point, vos couleurs. Reçu, procédé, rappelez vos couleurs. Rappelle vos couleurs, Fox Québec Alpha.
Lou, tu veux pas m'aider, s'il te plaît? En gros, il faudrait replier cette partie-là, genre. Ah, c'est bon. On tourne. Oh, il neige. Ah oui, si, elle est là, la piste, non? Oui, bah c'est le gros terrain, là, à droite. Celui voilà. Là, regarde, t'as vu, de base, si on était à 2500 pieds, il paraîtrait beaucoup plus loin. Ouais. Et là, tu vois, comme on est haut, bah, il paraît à côté, genre. Ah ouais, j'avoue. Regarde, tu vois, regarde, on est là. C'est genre à peu près ici, Lunéville, c'est ça. Ah ouais. Et là, tu vois, le prochain point, c'est la ville de Ciré. Et à Ciré, on va être en sortie d'espace et on va contacter Strasbourg. Mais là, même là, à travers Lunéville, il va nous dire de passer en 7000, je pense. On arrive dans combien de temps à Strasbourg? Je sais pas. Attends. 20 minutes? Ouais, une vingtaine de... Même pas, il y a un quart d'heure, je crois. Attends, ben, en vrai, on arrive dans... Ouais, 23 minutes. T'as vu les Vosges, là-bas? Ouais. C'est beau, hein, t'as vu la crête un peu des montagnes? Ouais, là, on est bien. Lunéville à droite. On avait dit 13 minutes 45 jusqu'au prochain point. Et après, la fréquence de Latisse, ce sera 126 930. Enter. Et enfin, la fréquence de l'approche. Ce sera... Ah bah oui, 120.7, on va déjà écouter à la Tissa. Hein. Okay. Ouais, c'est beau les montagnes là. Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Optico Juliette, Nancy Hochet. Optico Juliette, j'écoute. Vous êtes en sortie de zone, recyclez 7000 au transpondeur pour quitter ma fréquence et contacter Strasbourg. 7000 au transpondeur et on passe sur la Tissa de Strasbourg sur 126.930. À bientôt. Au revoir. Information Delta recorded at 648 UTC. Expect approach ILS Zulu. Runway in use. 05. Surface condition issued at 0400 UTC. Runway dry. Transition level 80. Wind 20 degrees, 7 knots. Ceiling and visibility okay. Temperature plus 11. Dew point plus 5. QNH 1026. Inform Strasbourg on first contact that you have received information Delta. Ok, c'est bon, on est à TIS. Strasbourg, bonjour. Information Delta enregistrée à 6h48 UTC. Prévoyez approche ILS Zulu. Piste en service, 05. État de surface, publié à 04h00 UTC. Piste sèche. Niveau de transition, 8-0. Vent 20 degrés, 7 nœuds. Cavoquet. Température, plus 11. Point de rosée, plus 5. QNH, unité 026. Informez Strasbourg au premier contact que vous avez reçu l'information Delta. Strasbourg, good day. Information Delta recorded at 648 UTC. Expect approach ILS Zulu. Runway in use. Quebec, Ronair, Ronair 799. Voilà, ça a parlé un peu. T'as vu les montagnes devant? Ouais, c'est trop beau. Voilà, il y a un franchissement de... toi, un point à 3314 pieds quand même, tu vois. Donc là on est bien parce que j'ai calculé le truc mais Et après par contre quand on va rentrer dans le... Là on a le QNH, je l'ai pris, c'est 1026. Quand on va rentrer dans les espaces, comme le niveau de transition c'est 8-0 et nous on est en dessous, on va devoir voler en semi-circulaire parce qu'on est au-dessus de 3000 pieds sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas vers l'est, t'es censé en être en impair plus 5 et vers l'ouest en niveau pair plus 5. On a un niveau 1 plus 5, 7 plus 5, donc niveau 75. Et en gros, là, on va devoir passer après en altitude parce qu'on est en dessous du niveau de transition. Le After 24 Mike, Roger, hold at Kilo Rome Hotel, level 80. After 24 Mike, hold over Kilo Rome Hotel, flight level 80. Ryanair 9799, contact Reims 128.305. Reims contrôle, c'est Ryanair. 128.305, Ryanair 9799, that's bien, au revoir. Juliet India Victor 202, speed max 220 knots.
Reducing speed 220 knots, GV. Tango Romeo, le trafic est croisé, hein. Plus de 5 nautiques, les évolutions à discrétion. Tango Romeo. Strasbourg, approche, Fox Golf Alpha Echo Juliette, bonjour. Fox Golf Alpha Echo Juliette, bonjour. Fox Echo Juliette, un DR400, deux personnes à bord, provenance 60, destination, voie d'installation, VFR avec plan de vol niveau 75. On est estimé à 15 minutes de, à l'ouest de Whisky pour intégration. Alpha Golf Alpha Echo Juliette reçu, transpondeur 7110, QNH 1026, la 05 en service. Transpondeur 7110, QNH 1026 et la 05 en service, Fox Echo Juliette. Echo Juliette, rappelé prêt pour la descente. Fox Echo Juliette, affirme, on rappellera prêt pour la descente, très haut. J'ai dit affirme alors que je suis pas en forme en radio aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Monsieur, t'es en forme. J'aurais dû lui dire qu'on avait Delta et je lui dis pas qu'on a Delta. Et je lui dis affirme alors que j'aurais lui dire c'est reçu, mais bon. C'est des petites conneries. Ah, Lima Delta Hotel pour quitter la fréquence. Lima Delta Hotel, transpondez 7000 et contactez Langan Info 128 950. 128 950, transpondeur 7000, merci monsieur, bonne journée. Delta Alpha India, direct Lubourg, and maintain level 70. Direct Lubourg, maintaining 70, Delta Alpha India. Juliet India Victor 202, max speed 180 knots. Max speed 180 knots, il va 202. T'as vu les sommets là, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est magnifique. Arter 2 for Mike, report ready to start the approach. Arter 2 for Mike, Vico. Fox Echo Juliette, nous sommes prêts pour la descente. Fox Echo Juliette descendait 6500 pieds initialement, je vous rappelle. 6500 pieds initialement, vous confirmez, on va direct sur Whisky. Echo Juliette poursuivi pour Whisky, affirme. 6500 pieds direct, Whisky, Fox Echo Juliette. Regarde, par rapport à la mer là, on est à 8000 pieds. Oh, c'est beau là! Ok, on va doucement commencer à afficher l'assiette de descente. J'aurai jamais les abdis. Et donc? Les abdis. Ok, on a mis 14 minutes 30 au lieu de 13:45 et 10 minutes 30 au cap 0.73. C'est parti. Yeah, 2-4 Mike, confirm what kind of approach do you want? Hard Air 2-4 Mike, after Kilo Romeo Hotel, request Kilo Bravo Alpha, from there on standard NDB approach. Copy that, Hard Air 2-4 Mike, initially direct Kilo Bravo Alpha, call you back for the approach. Copy. Hop, alors là, moi ça m'indique qu'on va à Whisky et j'ai pris le cap pour aller à Whisky, donc c'est bon, on n'est pas trop mal. Alors, on est bien. On n'est pas trop mal, là on va continuer de descendre gentiment. Ça va, Mao? Ah, super. Bon, on arrive là, hein, tu t'en doutes? Ouais. Bray, ah, j'avoue qu'on va voir Strasbourg aujourd'hui, c'est fou, hein. C'est ouf. Ok, alors dès que je vais te le dire, tu vas pouvoir filmer, alors par contre ça fera 10 minutes de film. Strasbourg, bonjour, volonté à tous, 7, Québec Kilo, runway heading climbing 70. Volonté à Québec Kilo, Strasbourg, bonjour, red identified, climb flatwell 8-0 initially, call you back. 8-0, runway heading, volonté à 27, Québec Kilo. Fox Tango Romeo descendait 5500 pieds, QNH 1026. 5500 pieds, 1026, Tango Romeo. Elle m'avait dit combien pour aller à Whisky? Strasbourg, bonjour, Ryanair 183 Yankee, climbing flight level 70 on Strasbourg, 1 Yankee departure and passing 2600 feet. Ryanair Golf Yankee, Strasbourg, bonjour. Radar
identified, passing 3,000 feet, turn left, direct Mirgu, and climb flight level 140. Left Mirgu, and climbing flight level 140, Ryanair 1812 Yankee, and can you confirm or call sign, please? Ryanair 18 Golf Yankee, receive you on the scope, no problem. Thank you. Delta Alpha India, contact Longan 12505, bye-bye. 2505, bye-bye, Delta Alpha India. Ryanair Strasbourg à droite, la ville, et Ensaim, il est là-bas en haut. Ok, bon là, Fox Tango Romeo, tournez à droite, cap 0, unité 0, interceptez la voie DME 05, autorisé approche. Bon, cap 010, autorisé approche. Et Fox Echo Juliette, la descente à convenance. Echo Juliette, la descente à convenance. Voletez à Québec, Kilo Direct Nator, Clam Flatwell 140. 140 to Nator, voletez. Sachant qu'il faut qu'on soit à 1500 pieds ici. Ouais, c'est ça, 1500 pieds. On va descendre du coup à. Sachant que ces zones. Ces zones descendent à 5000. Ouais. La CTR elle monte à 5000, cette zone-là elle va à 4500. Bon, on va descendre à 5000 pieds. Donc ça reprend pas de tour, c'est bien, on n'a pas de virage. Fox Echo Juliette, vertical whisky dans une minute pour intégration. Fox Echo Juliette, donc la descente à convenance, contactez auto 119 250, bon vol. Fox Echo Juliette, on a stabilisé 5000 pieds et la tour sur 119 250, au revoir. Strasbourg, tour du Fox Golf Alpha Echo Juliette, bonjour. Golf Alpha Echo Juliette, bonjour. Fox Echo Juliette, Under 400 de personnes à bord, VHR 20 de vol, départ 60, destination vos installations, stabilisé 5000 pieds au QNH 1026. On a copié l'information de Delta et on est vertical 8-6 pour intégration. Fox Echo Juliette, rappelé Whisky Alpha. Rappelons Whisky Alpha, Fox Echo Juliette. Allez, ça filme. Je filme là. Allez. Parti. Ah. On la caméra, ah ouais. Non, tu filmes mieux, je ferai le timelapse plus tard. Est-ce qu'on peut faire... Ah ouais, peut-être qu'on peut pas faire de... Ouais, bon. Bon, je filme l'un et je me démerderai pour le timelapse. Ça fait le focus. Hop, là on va à Whisky Bravo. Et on va croiser la route à Whisky Bravo. Garantis pas la stabilité absolue, hein. Ouais, ouais, non mais bon. Ok, la route elle est là, c'est bon, là. Ok, Whisky Bravo il est en face de nous. Donc Whisky Bravo on va le prendre par là, et Whisky Alpha. Alors si tu vois un château d'eau ou un truc là-bas en face, c'est là où on doit aller. Mais alors je peux pas filmer. Ok, bah là c'est très bien là, ouais. J'espère que tu vas peut-être avoir un peu mal au bras, donc pose-toi là-dessus, non? Ouais. Ça va, ça fait mieux. Ça va mieux? Ah mais ça vient vibrer, je sais pas si ça va bien vibrer le téléphone. Ouais bah alors Ok. Ah Romain il a répondu à la story. Ok. Alors là on est à Whisky Bravo, Whisky Alpha après. C'est genre un cap du 173. Mais y'a pas le château d'eau ou un truc là? Bon, ah si ouais c'est ça en face, ok. Le petit truc là en bas en fait où faut aller, d'accord. Ok, donc là on arrive à Whisky Bravo, donc on va tourner au cap. Ok, j'ai le château d'eau en face de moi, c'est bon. Ok, alors faut peut-être le laisser à la gauche quand même.
Voilà, par là comme ça. Ok, donc là on est bien. Là c'est le Rhin là que t'as montré là. Non, 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 là c'est Saint-Ré à Strasbourg à gauche là. Et on va descendre. C'est que Juliette, Vertical Whiskey Alpha dans 30 secondes et nous descendons actuellement vers 3000 pieds au QNH 1026. Vous êtes un petit peu à l'ouest de Whiskey Alpha, rappelez en milieu de vent arrière, main gauche 05. Milieu de vent arrière, main gauche pour la piste 05, Fox Eco Juliette. Alors la vent arrière, main gauche 05. Attends. La piste 05, c'est celle qui est là. Ok, donc là on passe sur un temps Romeo. Fox Tango Romeo, autorisé atterrissage 05, 010 degrés 5 nœuds. Autorisé atterrissage 05, Tango Romeo. Fox Eco Juliette, vous pouvez maintenant virer à gauche à convenance pour la base main gauche, la longue base main gauche 05, rappel final. Fox Eco Juliette, on entre en longue base main gauche, piste 05, on rappelle en finale. Là pour info, vous approchez Whisky 2 et là vous, donc, vous allez intégrer la finale au niveau de, du vent Sierra Tango Romeo. Ça aussi, Fox Eco Juliette, on a visuel. Ok, voilà, ça, alors ça fait un peu mal aux oreilles, je suis désolé. Oh, ça va. Dame les débouches. Ça va? Ouais, ouais. Moi je pensais qu'ils voulaient nous refaire passer de l'autre côté, mais parce qu'on n'était pas encore en vent arrière. Mais là on est en vent arrière donc. Oh. Ok, on a visuel sur la piste là. On est un petit peu haut. Alors. C'est un gros mur, roulez pour le parking, on écoute sur la fréquence sol 121-805, bonne journée. Roule, bravo à l'écoute du 121-805, c'est un gros mur, merci, au revoir. Ah, j'ai mal aux oreilles par contre, je suis désolé. Fox Golf Alpha Eco Juliette, autorisé atterrissage 05, le vent 360 degrés, 6 nœuds. Piste 05, autorisé atterrissage, Fox Eco Juliette. Eco Juliette, prends la frange, vous restez combien de temps à Strasbourg? Fox Eco Juliette, on repart ce soir vers 15h. Possible. Ok, on est stabilisé, 145, on est très très léger à droite de l'axe. On est à 140 km/h maintenant, tu filmes bien? Oui. Ça va? Bah oui. Oh nickel, 2-2. Ah ouais, bah après parfait. Oui, oui. Ah t'as de la longueur de piste. Ah oui, là j'ai de quoi poser là, ouais. Oh, elle est belle l'arrivée là quand même, on a le temps de la voir et tout. Magnifique. Oh là là, classe. Ok, on a la vitesse 140-145, on garde ça. On a majoré de 5 km/h parce qu'il y a le vent. On vise les blocs, et voilà. On a les deux crans, la pompe la réchauffe, c'est parfait, on a les phares. On est en très courte finale, ça va pour ouais. L'instant. Magnifique, l'approche là. Tango Romeo, on est au parquet pour quitter. Tango Romeo, quittez la fréquence, bonne journée.
Oh, ça va, c'était doux, hein. Parfait. Hop, on va sortir là. Ok. Bienvenue à l'aéroport international de Strasbourg. Fox Echo Juliette, la 05 est dégagée pour rouler au parking. Fox Echo Juliette, rouler parking Bravo, donc tout droit, et poste Bravo 11. Donc une fois arrivé au parking Bravo, ce sera sur votre gauche, là, près de l'autre R400. Parking Bravo et poste Bravo Unité Unité pour Fox Echo Juliette. C'est reçu. Arrêtez de filmer. Hein? Arrêtez de filmer. Non, oui, non, continue. Hop, on va couper les phares. Ok, alors le DOT DR400 est là-bas. Alors je crois qu'on a une taxe d'atterrissage à payer. Ah. Oh, les avions là. Ouais, ouais. On va voler que ça, nous. C'est des Honda Jet. Oh! Alors attends, poste Bravo 11, ça doit être par là-bas. Ah, no entry, c'est écrit. Donc on va pas aller là où c'est écrit no entry en fait. Voilà, il a bien rigolé. Ah, Bravo 7, 8, 9, ouais, il y a 11 là-bas, ok, ouais, c'est bon, on est bien. T'as vu, il y a Bravo 7, 8, 9. Alors tu vois 11 et tu me dis. Bravo 7, 8, 9. Bravo 7, 8, 9. Alors là. Faut... Ah, je suis. Ouais, non, mais je suis la ligne. Après. Là, c'est Bravo 11. Allez, alors Bravo. Ah, c'est 11 après. Mais... Ouais, mais en fait, poste Bravo 11, il y a plein de postes Bravo 11. Voilà, tu te mets à côté. Je vais mettre à côté de l'autre DR400, il avait dit. Bravo 11. Ah, bah, non. Ah, putain. Bah, Bravo 11, c'est bon, on y est là. Bah, on va se mettre là, vas-y. Ouais. Hop, on va se mettre par là. Heureusement qu'on a une barre de manœuvre. Hein? Je ne fais plus. C'est-à-dire? Non, bah j'ai filmé un petit peu le pied, quoi. Ah. Oh mon dieu! Allez, bien. 10 minutes 36. Bienvenue à Strasbourg. What is... On va le tourner, t'inquiète. Fox Echo Juliette au parking, poste Bravo 11 pour quitter la fréquence. Fox Echo Juliette, vous pouvez quitter la fréquence, bonne journée. On quitte la fréquence, Echo Juliette, bonne journée. Eh, je crois qu'on est arrivé là. J'ai envie de faire pipi. Ouais, moi aussi j'ai envie de pisser. Hop, on va couper. Ok. Stand by. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on vient d'arriver à Strasbourg. Voilà, donc tout s'est bien passé, on a 1h20 de vol, j'ai fait quelques petites... une erreur un peu bizarre tout à l'heure à la radio, vous l'avez vu. Mais bon, on est arrivé, voilà, tout s'est bien passé. Donc voilà, bah, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Models pour d'autres aventures. A bientôt.